avec un haul action-réaction. Voilà, donc j'ai noté tous les prix, ce sera beaucoup plus simple. Alors premièrement, ce qui n'est pas action, je vous montre vite fait. J'ai acheté une trousse de toilette comme ceci. Voilà, que j'ai acheté en bord de plage. Voilà, c'est une trousse chat comme ceci. Et j'avais payé 5 euros. Voilà. Tout simplement, avec une petite pochette ici, par exemple pour ranger la brosse à dents. Voilà, vous voyez, pochette transparente comme ceci. Et elle est assez grande quand même. Donc 5 euros, je l'ai trouvée vraiment très belle. J'adore les trousses, hein. Je commence à en avoir pas mal. Donc il y a Monsieur Chat, Madame Chat. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit calendrier 2019 qui ira dans mon sac donc l'année prochaine. Celui-ci, je crois qu'il était à... À 5 euros aussi, me semble. À 5 euros aussi. Voilà. Donc avec le Mont-Saint-Michel en photo, il se présente comme ceci. Bon, je vais passer vite fait dessus. Hein. Vous avez des photos. Vous avez les vacances scolaires. Vous avez vraiment tout. Donc celui-ci rejoindra mon sac avec les vacances scolaires. Dedans, vous avez des photos. Voilà, vous avez pas mal de photos de Normandie. Et sinon, les pages se présentent comme ceci. Voilà. Donc ça, 5 euros. Ensuite, j'ai acheté une petite carte postale car j'adore tous les animaux marins. Donc ça, c'était 1,30 € avec l'enveloppe. Et ensuite, j'ai acheté un stylo. Vous avez combien de couleurs? Vous avez 6 couleurs. Un stylo comme ceci de 6 couleurs. Un stylo un peu marin, les pieds dans l'eau. Voilà. Et celui-ci était à 3,90 €. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au haul action. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce qu'il fait quand même relativement chaud. Voilà, c'est parti. Donc, ce qui n'est pas action aussi, c'est le DOP que j'ai acheté chez Leclerc. Le DOP au parfum Bananes de Haribo. Je ne l'ai même pas senti encore. Alors ça, c'était aux alentours des 2 euros, il me semble. Ça sent vraiment super bon. Alors derrière moi, vous avez Mademoiselle Punchy, qu'on ne voit pas tellement. Voilà, elle est là. Je voulais vous la montrer. Donc voilà. Donc on va passer au haul action. Alors premièrement, on va passer par quoi ? On va passer à la peluche licorne que je voyais dans tous les halls. Donc, ça m'en fera deux nouvelles. L'autre, c'était une Polly, me semble. Poney Polly, enfin bref. Vous savez, les... Je sais plus. Enfin bref, je vous renvoie sur mon ancien haul action. Donc, celle-ci, c'est une peluche licorne. Elle coûtait 4,95 €. Voilà, je crois que c'est une 30 cm. Je dois avoir le ticket par là. Enfin bref, vous la voyez. Hein. Le ticket, je ne crois pas que je l'ai avec moi puisque j'ai marqué tous les prix. Donc 4,95 € avec la petite corne comme ceci, holographique. Les petites couleurs comme ceci, la petite queue comme ceci. Elle est vraiment trop belle. 4,95 €. Ensuite, j'ai pris un rouleau à pâtisserie pour que ma fille puisse faire ses gâteaux ici en vacances. 2,49 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite trousse holographique, enfin une petite trousse pailletée comme ceci, marquée Sparkle. C'est plutôt une petite trousse pour mettre les stylos. Voilà, il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris noir métallisé. Elle était à 1,19 €. Ensuite, on va rester un peu dans la papeterie. J'ai pris une carte d'anniversaire, 59 centimes. Voilà. Alors, je vous montrerai l'essentiel après, enfin l'essentiel. J'ai pris des colles glu, rouleaux de ruban adhésif à 75 centimes. Il me semble qu'ils étaient en promo, je ne suis pas sûre.
Voilà, ensuite j'ai pris un petit bloc comme ceci à 96 centimes. Vous avez dedans paper bloc 15 x 15. Vous avez des feuilles orange. Voilà, vous en avez des pailletés aussi. Vous avez plusieurs coloris de orange et de marron. Voilà, vous avez des feuilles pailletées. J'ai surtout pris pour ça, pour essayer de refaire des marque-pages. Vous avez diverses coloris comme ceci. Vous avez même un peu comme ceci, un peu rose gold. Donc ça, 96 centimes. Ensuite, j'ai pris une trousse Reine des Neiges. J'adore ces trousses-là. Franchement, je les adore. Elsa et Anna. Et celle-ci était à 89 centimes. Voilà, c'est une Disney, hein. Voilà, c'est marqué Disney. 89 centimes. Voilà, je les adore. Ensuite, j'ai pris une canette Arizona pomme granate à 59 centimes pour ma fille. Ensuite, j'ai pris. J'essaye de ne pas tout faire tomber. Un chiffon microfibre à 55 centimes. Je les adore, ceux-là. Je m'en sers tout le temps pour essuyer mes pinceaux entre deux. Donc 55 centimes. Vous aviez pareil diverses couleurs. Ensuite, j'ai pris un cahier holographique comme ceci, avec des petits yeux comme ceci, avec les yeux fermés, avec les cils. Voilà, je vais quand même vous l'ouvrir. Il était à 1,99 €. C'est un carnet A5. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous avez des petits cœurs dedans, il me semble. Je les ai vus dans les halls. Donc ceux-là, je voulais les trouver. Vous avez la tranche comme ceci, argentée. L'intérieur est rose comme ceci. Et les feuilles sont lignées avec à chaque fois des petits cœurs. Voilà. Petit cœur sur la page de droite. Voilà, comme ceci. Vraiment très très beau. Je ne sais pas si on verra avec la lumière. C'est un peu holographique. C'est argenté holographique. Il est superbe. Et là, vous avez des cils. Alors, je ne sais pas combien il y a de pages dedans. C'est pas marqué. Carnet A5. Bon, enfin bref, il est vraiment très très beau. Il y avait plusieurs modèles, hein. Vous aviez les cils et vous en aviez d'autres avec. Moi, j'ai préféré celui-ci. Donc, 1,99 €, ça vaut trop le coup. Voilà, un carnet de plus. Là, je vais peut-être me calmer avec les carnets, hein. Il est vraiment magnifique. Je vous le remontre. Ensuite, j'ai pris, comme la dernière fois, mais ce n'était pas le même motif, c'est les coloriages vintage. Là, c'est sur les feuilles, les fleurs. J'ai commencé à colorier les autres coloriages. Donc là, vous avez diverses fleurs, hein. Voilà, des roses, vous avez des bouquets. Voilà, donc ça fait vintage. Je ne sais pas si on verra bien avec la lumière. Comme ceci, après vous coloriez à votre façon, de votre façon. Voilà, ça se présente comme ceci. Et celui-ci était à 69 centimes. Alors ensuite, tout ce qui est papeterie, c'est fini. J'ai pris. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. J'ai pris 21 masques, car chez moi, je ne les trouve pas du tout. Voilà, comme ceci. Normalement, il y en a 21. Et ceux-là, je crois qu'ils étaient à 75 centimes. Je vous renvoie sur mon ancien haul. Je n'ai pas la note avec moi, là. Je pensais que je l'avais prise. Bon, enfin, bref, tout le monde connaît ces masques-ci, hein. Je n'ai pas la note ici avec moi. J'essaie de regarder. Non. Donc, normalement, il y en a 21. Donc, ça, c'est moins de 80 €. Je crois que c'est 75 ou 67 centimes. 4, 6, 8, 14, 16, 18. Oui, il y en a 21. Donc là, j'ai vraiment le stock, hein.
Voilà, donc je vais les poser là. Ensuite, j'ai pris enfin les fameux pinceaux licorne, unicorne. C'est les Your Unicorn Favorite. C'est de la marque You Makeup Brush Collection. Voilà, celui-ci peut faire un pinceau pour le blush, poudre, pinceau éventail, soit pour enlever les chutes, et celui-ci pour les yeux. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Ils étaient sortis au mois de juin, moi je ne trouvais pas dans mon action, à 3,95 €. Voilà, ensuite j'ai trouvé les nouveautés, enfin j'ai pas tout pris non plus, hein, les nouveautés de chez Action. Celui-ci était à 1,95 €, c'est le 06 Shimmering Bronze, c'est un Baby Lips qui fait joue et lèvres en même temps. Donc il faut bien regarder car ils n'avaient pas de protection. Donc moi, alors c'est de la marque Maybelline, j'en ai pris un qui n'était pas, swatché quoi. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc, je vais tester pour les joues. Hein. J'essaierai de vous faire un make-up avec les nouveaux produits que j'ai là. Donc ça, 1,95 €. Joues et lèvres. Ensuite, j'ai pris les nouveautés pareilles, les Chubby Lipstick Duo Pack de Max & More. Il y a enfin des nouveautés de la marque Max & More. 1,49 € le lot de 2. Et dedans, vous avez la couleur. Donc, c'est la marque. Alors, c'est marqué Mickey et Max & More. Alors, je ne sais pas. Alors, vous avez la 345 Tango. Donc, ça doit être celui-ci, je pense. Je ne vais pas les ouvrir parce qu'on va repartir bientôt. Il y a le 340 Wild Raspberry. Donc, ce sont des baumes à lèvres. Hein. Il y en avait de plusieurs sortes. J'ai pris ceux-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux Long Lasting Duo Max & More. Je l'ai pris surtout pour le violet. Voilà, pour mettre en vidéo. Donc, vous avez le 322 Hot Kiss. Je pense que c'est le rouge. Et vous avez le 337 Fairy Violet. Voilà, qui est comme ceci. Donc 95 centimes, ça vaut vraiment le coup. Et les lip balms à tester, je ne connais pas du tout, ce sont des nouveautés. Voilà. Ensuite, j'ai repris à 59 centimes, ça je ne l'ai pas noté, mais je me souviens. 59 centimes, c'est le sac Action, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. J'ai pris la dernière nouveauté aussi en palette à 1,98 €. C'est la fameuse palette 602 Natural Flirtation. C'est un peu, on dirait, un peu des dupes de Make Up Revolution ou à Earth Makeup. Voilà, il se présente comme ceci. C'est de la marque Mickey. Alors, je vais l'ouvrir. On voit plein de hauls. Ils sont sortis, je crois, la semaine dernière. Vous aviez aussi les mascaras, enfin, tout ce qu'on voit. Les eyeliners. Et moi, j'ai pris que ça. Voilà. Alors, c'est dans les tons de... Ah, vous avez un pinceau dans les tons de nude et violet. Vous avez du pailleté, du mat. Donc, je vous ferai une revue dès que je reviendrai de vacances. Voilà. Alors, je pense qu'on voit bien les couleurs. Elle est très, très belle. Alors, vous avez combien de couleurs? Vous avez 12 couleurs. Voilà, moins de 2 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ben voilà, c'en est tout de mon haul Action. Bon, c'était un haul assez conséquent, enfin assez conséquent, surtout pour les masques. Là, j'ai fait le stock, j'en ai pris 21, ils sont géniaux. Si vous tombez dessus, franchement, ils sont super. Surtout pour les peaux grasses, c'est vraiment bien adapté. Et ben j'espère que ce haul Action vous aura plu et autres. Hein. J'avais pris un petit dope, je suis contente de l'avoir trouvé, ainsi que les petits souvenirs de vacances. Et ben je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.